Don't surrender, got your love, got your love. Baby, I love you. No be play play, no. Baby, I need you. Oh, no be play play. Baby, I want you. No be play play. You don't say I love you. Oh, no be today. Dance your love, hey. Dance your love, hey. Mes gars, je vous dis, cette fille, la façon dont elle. Mais mon cher, qui est cette fille? Mais de qui parles-tu? Quelle fille? La fille en robe noire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense l'avoir vue quelque part, quelque chose de ce genre, je ne sais pas. Mais voyons, ici tout le monde connaît tout le monde, non? Mais je ne me rappelle plus là où je l'ai rencontrée. Excusez-moi, mes gars. Où est-ce qu'il va, celui-là? C'est bon, alors. Salut. 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 C'est ta première fois? Ma première fois du quoi? C'est ta première fois de venir ici, dans cet endroit? Oui, c'est ma première fois de venir dans cet endroit. Ok, je sais, je ne sais pas, mais c'est comme si je t'ai déjà vu quelque part, mais je ne me rappelle plus, c'est où? Tu es l'une de mon département ou quoi? Si je peux te le dire. Ok. Je te vois souvent dans les restaurants roses en ville. Ok. Je suis rencontré à l'hôtel Castille en ville. Oh! Et tu es toujours, alors toujours, chez Maman Bouka. Tu es toujours là, je te vois. En tout cas, je me rappelle complètement. Oui. Waouh! Je me rappelle aussi, tu t'assieds dans ton coin, tu me regardais sans pour autant dire. Tu ne m'as jamais approché, même pas une fois. Et ma soeur t'a pris les garçons le petit nez. Je me rappelle, c'est ta soeur. Où est-elle? Elle est là, elle prend quelque chose à voir. Oh mon Dieu! Ça fait un bout de temps, Oui, elle sera vraiment surprise de voir que tu es maintenant en train de me parler. Oui, elle sera vraiment surprise de me voir que je ne suis plus timide comme je l'étais avant. Je l'espère. Tu peux le dire. Oui, comment ça va? Oui, je veux bien. Je peux voir. Je crois que je n'interromps rien dans cette. On est seulement en train de parler. Je suis désolé. Salut. Oh, tu es beau. Quoi? Oh, désolé. Non, je ne sais pas de vous kidnapper. Je suis désolé. Oh, désolé. Mon amie par moment, elle est toujours dépassée. Je m'excuse. Ça va. Ça va. Oh, c'est quoi ton nom? Oh, mon nom c'est Prey. Prey? Oui, et toi? Je suis Adora. Oh, Adora. Adora, puis-je avoir ton numéro, s'il te plaît? Oui, je peux te le donner. Voici mon téléphone. Oh. Et aujourd'hui, tu demandes mon numéro de téléphone, c'est vraiment étonnant. Je ne suis plus comme ça, s'il te plaît. Je t'appellerai. J'espère que tu le feras. Je le ferai. Je prends congé de toi. Bye. Bye. Bye les filles. Oui, bye. C'est quoi, quoi? Ça? Mais est-ce que tu pouvais faire ça? C'est pas vrai. Bonjour, Gunther. Hey, bonjour. Ce n'est pas un jour de travail aujourd'hui?
Tu sais, il y a des jours pareils qu'on n'a même pas envie de sortir de la maison. Oh, tu te sens malade? Non, je vais bien, je te promets. C'est à propos du garde de la nuit dernière, c'est ça? Je ne l'ai pas dit, et alors? Tu sais que je suis là pour toi et tu peux tout me dire. C'est parce qu'il n'y en a rien à dire. Il n'a rien dit de spécial, honnêtement. Il n'y a rien. Je sais qu'il était tellement collé à toi la nuit dernière. Je sais. Oh, Joy. Je ne peux supporter un autre chagrin en ce moment. Honnêtement, je ne peux pas. Je veux dire, pourquoi essayer quand tout finit toujours mal? T'inquiète, tout ira très bien. Ça ira, ma soeur. Ça va? Merci. Oh, mes gars, c'est très bien, c'est très gentil. Oh, je vais très bien, les amis. Merci, très gentil. C'est bien. On continue, non? Allez, mec, lance ça. Lancez. Allez, je suis là. Passe-moi la balle ici. Allez. Sois concentré. Fais en sorte qu'il ne passe pas avec la balle, qu'il ne passe pas. Non, moi je vais empêcher. Non, avance. Attention. Jouez bien. Passez la balle. On a gagné. Allez, avance. Commence, non, récupère la balle. Tu es seul. Avance. Ah, c'est bien. Bravo, bien joué, mec. Bien joué. Rapidement comme ça. Très fatigué. Je suis fatigué, s'il te plaît. J'ai besoin de boire de l'eau. Je suis fatigué. Je ne sais pas si je vais encore continuer. Regarde ces mecs. Si je t'ai fatigué après 30 minutes. Mais mon cher, voyons, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas jouer qu'en 5 minutes? Et d'ailleurs, on va jouer un double jeu. C'est un double jeu, tu comprends un peu? Ne penses-tu pas qu'un bon jeu suffit à 4? Mon gars, calme-toi. Pourquoi les mouches vont pas suivre le caca? Tu le sais bien. Gars, j'ai dit que tu n'es pas fort. Tu le sais bien. Arrête-moi fort avec ces bruits. Je ne veux pas te voir. Tu parles. Mon gars, je me bats, non? Dis-moi, comment ça évolue? Comment ça évolue avec cette Janet, la fille que tu avais vue dans la boîte de nuit, celle que quand tu avais suivie? Quand est-ce que Priya a attrapé une nouvelle poisson? Est-ce que tu ne te rappelles plus de cette fille qu'on avait rencontrée l'autre fois dans la boîte Priya de nuit? Priya marqué. Regardez comment vous vous comportez. Mec, et toi aussi. Ça me fait rire ce que vous faites. Vous êtes en train de commérer. Mes gars. Mais qui a commérer avec ton nom, hein? Nous sommes entre nous, le mec. Hein? Continuons. Je ne parle pas. Ah, vas-y, parle. D'accord, dis-nous le caleçon. J'ai dit je ne parle pas. Priez, tu caches la couleur du caleçon. Je ne parle pas. Tire le ballon là. Lance la balle dans le filet. Oui, dans le filet. Mais regarde, moi je pars à la maison. Je ne vais plus jouer. Je pars à la maison. D'ailleurs, je pars voir mon bébé. Je suis impatient d'attendre la nourriture. C'est vrai, ça? Oui. Ça peut prendre combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes? Mm-hmm. Je ne peux pas prendre plus de 10 minutes dans ma cuisine. Je te jure que tu es belle. Tu n'as pas besoin de t'attacher. Merci. Puis-je te poser une question? Pourquoi est-ce qu'elle doit te suivre partout? Tu veux dire ma sœur? Bien sûr. Eh bien, c'est parce qu'elle et moi ne te faisons pas vraiment confiance. C'est vrai? Vous ne me faites pas confiance? Non, Vous ne me faites pas confiance? Je vais juste blaguer, je te jure. C'est juste une façon de parler, c'est tout. Ok. D'accord. Comme le repas n'est pas encore prêt, on peut alors nous ajouter à boire. C'est plus que suffisant pour moi ce soir. Non, continuons à boire en attendant non, à manger. Non, plus de verre après cette sauce. Pourquoi? Est-ce que tu conduis? Si je conduis, non. Ma soeur nous a conduits jusqu'ici. Je ne conduis pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne conduis pas? Je peux si j'essaie de conduire, mais je veux dire... Je n'aime pas conduire. Pourquoi tu n'aimes pas conduire? Ah, mais bon, à chaque fois si je sais, tu sens l'odeur de la nourriture.
Non, pas du tout, je ne sens rien. Tu veux que j'aille les aider? C'est toi qui dis ça? Mais oui, ça se voit qu'ils ont vraiment besoin. Oui, est-ce que je peux t'aider à appeler les serveurs? Alors, je peux apporter qu'ils fassent vite avec le repas. Trinquons. C'est vraiment, vraiment drôle. Trinquons, s'il vous plaît. Cheers. Très bien, tu dois prendre les médicaments tels que je te les demandé, d'accord? Suis à la lettre ce que je t'ai dit et tu iras mieux. Mmh, ok. Merci. Je t'en prie, madame. Merci, docteur. Nous partons déjà. Ok. Très bien. Jeff. Monsieur Jeff Honora. Mon amour. La meilleure de toutes les femmes. Tu es vraiment meilleure, la plus belle de toutes les femmes. Chérie. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'apporter le travail du bureau à la maison. Tu n'es plus un jeune homme, tu sais. Je le faisais en attendant le repas. Ok. Tu sais, tu es tout ce que nous avons. Et je veux rester avec toi ici pendant un long moment. Je ne veux aller nulle part. Nous allons vivre ensemble comme une famille. Et nous allons vivre avec tout ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Amen. D'accord. Et notre fille Adora. Oui, Adora. Je pense qu'elle a trouvé l'amour. Je pense que nous devons la faire voyager. Je pense. Chérie, elle va bien. Elle a besoin de recommencer sa vie. Elle mérite cette nouvelle expérience. S'il te plaît, laisse-la vivre sa vie. J'ai toujours voulu la meilleure pour ma famille. Et maintenant, je vais donner la meilleure à ma famille. Je vais dire, je veux tout leur donner. Je sais. Et c'est pourquoi je t'aime. Tu es très belle. Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime, chérie. Ramène-moi dans la chambre, bébé. Et laisse-moi passer des moments avec toi. Si seulement je peux trouver ce sur mon problème, il y aura un autre moment comme ça avec toi le matin. Oh.
mon amour. Mon amour. Mais attends, pourquoi est-ce que tu pleures? Viens s'il te plaît, viens d'abord me dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que je fais? D'accord alors, s'il te plaît, parle-moi. Je suis sincèrement désolé si je fais quelque chose, mais parle-moi, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, parle-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle était là, mais attends, je pense que tu l'avais apprécié. Oh, vraiment. Mais j'étais surprise d'entendre ça. Allez, arrête ça. Et on était juste là derrière elle. Mais elle ne s'en rendait même pas compte. On était là, on était drôle, vraiment je te là, dis. Je te demande. Salut. Salut les filles. Oh. Ah, Kiwi. Ta figure, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai couché avec un homme. J'ai couché avec un homme. Je n'ai pas imaginé que j'ai encore couché avec un homme. Calme-toi. Arrête de t'emporter comme ça. Calme-toi. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ces derniers moments? Ou encore, avec qui? Ma chérie, pourquoi tu peux penser qu'à chaque fois qu'elle a un problème, un homme doit être derrière ça? Pourquoi tu fais ça? Actuellement, c'est des mères électives. Oh, oh! Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce chérie, que je viens de dire maintenant? Calme-toi. Calme-toi et laisse-la parler. Alors, c'est quoi le problème? C'est Charles. De quel Charles parles-tu? Oui, c'est Charles. C'est lui qu'on avait rencontré à la fête. Oh! Non, non. Non, hein, Kiwi, pourquoi? C'est à cause d'un homme que tu... Tu es dans tous ces états? Oh, grande sœur, attends. Attends d'abord. S'il te plaît, vas-y, continue. C'est quoi le problème? Ok, c'est quoi au juste? Il a dit qu'il m'aimait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et alors? J'étais partie chez lui, on causait... Et tu es sortie avec lui? C'est ça? Hey! Kéwe, juste le premier jour, tu l'es fait avec cet homme. Je ne pouvais me maîtriser... C'est au-delà de moi. Non, 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 ce n'est pas du tout sérieuse. Tu es une grande femme. Sérieusement, tu peux le voir, tu es une grande femme. Si tu veux bien te contrôler, tu peux bien te contrôler. Mais tu le fais exprès, parce que ce n'est pas la première fois que tu le fasses. Ce n'est ni la deuxième, ni la troisième fois. Tu l'as toujours fait. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Sérieusement, Kéwe, tu as besoin d'aide. Je veux dire, tu as besoin d'une grande délivrance. Tu vois, tous les gros pasteurs de ces pays doivent se réunir pour te donner une grande délivrance. Une grande comme ça. Kéwe, tu en as vraiment besoin. Non, les filles. J'ai déjà honte de moi-même. Je me sens vraiment stupide. C'est bon. Allez, c'est bon, calme-toi. C'est très bien, sœur. Salut, bébé. Oui, je suis là, on partage un verre. Oui, bien sûr, je suis avec eux. Oui, mais tu peux venir. Oui, oui, pas de problème. Ok, très bien. Qui prie? Oui, je suis impatiente de te voir. Oui. Oui, oui. Ok. Quoi? Et quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Barman? Monsieur. C'est quoi tout ça? Je n'ai aucune idée, monsieur. Tout était bien arrangé, monsieur. Arrange ça.
Salut bébé. Oh, finalement tu es là. Pourquoi tu as traîné? Je suis vraiment désolé. Je suis venu en retard parce que je trouvais que vous êtes sorti. Je suis désolé. Oh, il n'y a pas de problème. Je suis contente que tu sois là. Je t'aime. Réponds-moi aussi, bébé. Oui. Je t'aime aussi. Je souhaite vraiment que ce soit ainsi pour toujours. Pour toujours. Oui, je ne vais pas penser à ça, mais je sens que tu veux me quitter. Oui, mais non, vraiment, c'est pour un moment. Mais de quoi parles-tu? Ok. Tu te rappelles de mon CV de travail que je t'avais dit que j'ai introduit pour les États-Unis? Oui, oui. Ils m'ont appelé. Et? Ils m'ont demandé quand est-ce que je vais commencer le travail. Tu veux dire que tu dois y aller là-bas? Oui, pour le travail. Je suis contente pour toi. Félicitations. Écoute, Adora, je ne peux pas continuer à travailler pour cette entreprise. Il y a beaucoup d'abus de confiance. Je ne peux pas. Ça, c'est une chance d'être un homme international que je n'ai jamais été. Comme je peux prendre soin de nous deux, tu vois, et retourner. Je suis contente pour toi. C'est moi qui étais assez délirant pour penser que tout sera différent pour cette fois. Mais là, je vois que ça finirait toujours mal. Adora, non. Non. Je te promets, il n'y a rien qui va changer. Non, tu ne peux pas me dire ça parce que tout est en train de changer. Tu es en train de me quitter et tout est en train de changer. Et là, tu me dis que tu m'aimes. J'ai un bon travail ici pour toi qui peut nous permettre d'avoir une bonne vie. On peut voyager quand on veut, on peut tout faire. Après, pourquoi tu veux me laisser? Tu peux rester avec moi et travailler ensemble. Tu me dis seulement que tu m'aimes. Oui, bien sûr, je t'aime, Dora. Alors reste, s'il te plaît. Je ne peux pas. Ne me fais pas ça, je pour toi, s'il te pas. Plaît. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas. S'il te plaît, Dora, je veux que tu comprennes. Oui. S'il te plaît. S'il te plaît, Dora, je t'aime de tout mon cœur. Je suis contente pour toi, c'est bon. Seulement, arrête. Entrez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas encore arrivée chez moi à la maison. Tu as voulu que je vienne d'abord ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Charles. Il n'est pas fidèle à moi. Hey, regardez-moi ce problème. Écoute, ton histoire avec Charles n'était pas encore finie. Depuis quand commences-tu à côtoyer les hommes mariés? Je ne comprends pas. Dis-moi, vous sortez ensemble, hein? Arrête, chérie. Ton ami est tellement blessé. J'ai trouvé Charles sur les lits avec une autre femme. Et il faisait ça. Ok. C'est pour ça que tu veux te donner la mort? Ah, ok, c'est bon. Approche-toi. Approche-toi, s'il te plaît. Hein? Oh, viens. Bien. Sache que tu es une très mauvaise fille. Tu n'es pas bien. Oh, tu dois arrêter cette vie, toi aussi. Laisse-moi, n'importe quoi. Ok, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Toi, vraiment. Rien. Ok, à plus tard. Ah, Ada, tu t'es déjà habillée. Alors, pourquoi pas partir ensemble avec ta sœur? Papa, elle a dit qu'elle ira seule aujourd'hui. Ah, est-ce vrai, Ada? Oh, papa, oui. Je veux dire, toi et moi allons sortir alors. Je voulais qu'on sorte juste nos dés pour avoir les temps d'échange. Ma chérie, je sais que tu l'aimes. Mais elle cherche juste à veiller sur toi. Maman, tout ira bien et je vous le promets. Et d'ailleurs, tu dois voir Prey. Sérieusement, pour te rassurer qu'il peut prendre soin de moi, je te rassure. Ok, comme tu le dis.
Est-ce que tu l'as déjà parlé de ça? Oui, je pense que tu ne l'as pas encore fait. Si tu veux dire si je parle avec lui pour... laissez-moi voir. Ok, d'accord. Comment tu vas? Salut, Jerry. Bienvenue. Ok, maman, papa. Oui. Voici Pray. Pray, maman et papa. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Bienvenue, mon fils. Assieds-toi et sois à l'aise. Merci, bien, papa. Bien, papa. Nous sortons maintenant. Oui, d'accord, mais priez, s'il te plaît. Prends soin de ma fille. Je le ferai, monsieur. Et sois un bon homme. Je le serai, monsieur. Un très bon homme. Papa. Je serai un bon homme, monsieur. D'accord. s'il te plaît, ramène-la à la maison à temps, ok? Je viendrai la laisser bien avant à la maison. Ce n'est pas un problème. Désolé, monsieur. Désolé, maman. Il n'est pas oui, tranquille. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Bye. Bye. Ah. Alors, où est-ce que nous partons? Bien, la première scale, c'est d'abord au supermarché. Acheter le vin. Peut-être aller se détendre encore quelque part. Aussi, dans ton appartement. Mon rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu as décidé à propos de ce que nous avons parlé? Quelle situation? Tu veux me dire que tu as tout oublié? Oh, c'est là? Oui, ça. Oui. Si seulement tu viens avec moi. Oh, je t'aime beaucoup, bébé. Oui, bébé, commençons d'abord par ici. Oui, comme ça va? Combien de pourcents? 40? Oui, 40%, c'est bien. Non, je ne peux pas prendre beaucoup d'alcool comme ça. Non, c'est trop fort. Non! C'est trop fort. Il y en a plein ici. On peut chercher un autre. Hein? Oh, s'il te plaît, cherchons. J'aime ça. Allez, s'il te plaît, allons de l'autre côté, nous allons trouver un. Où? Non, là-bas, il y a toujours de vin. On peut trouver quelque chose. C'est vrai? D'accord. Regarde. Fais-moi d'abord voir. Oui. Bébé, ça aussi? Bébé. Baby, arrête s'il te plaît. Non, baby. Au secours. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Je ne sais pas, je l'ai vu seulement par terre. Non, baby. Au lieu de m'aider, vous me dites de vous laisser la place. Je vais l'amener à l'hôpital, s'il vous plaît. S'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'espace. Ne me faites pas ça, c'est ma meilleure amie. Je vais l'amener à l'hôpital, s'il vous plaît. Ok. S'il te plaît, baby, je suis là, bébé, je suis là. S'il te plaît, baby, non, pas ça, je suis là, baby, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Hein? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ok. Il va rester avec qui? Non, je ne peux pas laisser ma petite amie ici. Nous devons la laisser seule. Maintenant? Alors viens avec moi, j'ai quelque chose de très spécial à te dire, viens avec moi. Allez, viens. Bébé, je suis là avec toi, je suis là. Elle va bien se porter. Vous êtes sûr? Alors, qui êtes-vous pour elle? C'est ma petite amie, ma fiancée. Oh, ok, alors je suis sûr que vous savez qu'elle est critique. Hein? Comme vous le voyez, elle est critique.
Non, elle n'est pas épileptique. Non. C'est d'après votre connaissance. Je ne suis pas d'accord avec vous. Malheureusement, avec les symptômes qui se présentent là, j'ai le droit de vous dire qu'elle est vraiment épileptique, monsieur. C'est bon, calmez-vous. Elle va bien se porter. Dans quelques minutes, elle va se relever, d'accord? Calmez-vous, elle ira bien. Tu sais que tu me dois des explications de ce qui t'est arrivé au supermarché. Adora, tu es épileptique et... Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as caché? J'allais te le dire, je te surprends. J'allais te le dire. Je cherchais le bon moment pour en discuter, mais je ne voyais pas par où commencer. C'est que je sais te dire que je suis épileptique, c'est pourquoi ma sœur est obligée de me conduire partout. Parce que je suis épileptique, ma sœur est obligée d'être avec moi partout. Elle est obligée d'être avec moi pour veiller sur moi. C'est à cause de ma petite sœur que je suis encore... Adora, je t'aime. Mais je t'aime. Si c'est vrai, pourquoi alors tu me l'as caché? Pourquoi tu me l'as caché? Tu me l'as caché. S'il te plaît, je ne voulais pas me foutre de toi et tu ne le fais pas non plus. Ok, pray. Cette épilepsie n'est pas du tout de ma faute. Non, c'est de ma faute. Quoi? Oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute que tu es épileptique, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Pray. Oui. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Non, mon Dieu, personne ne veut de moi. Personne ne veut de moi. Oh non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Attends.
Mais mon cher, tu sais, tu as vraiment mis de l'ambiance. Hein? Je te dis que c'est vrai. Tu peux l'imaginer. Je te dis, ce type est un mauvais garçon. En tout cas. Est-ce que tu peux l'imaginer? Il est un mauvais garçon. Sérieusement. Non, les amis. Je pense vraiment que ce problème qui est en train de se poser au milieu de nous dépasse la tête. Voyons, je pense qu'en tant qu'amis, nous devons absolument savoir ce qui se passe. Qu'en dites-vous? Mes chers, si c'est le sujet de notre ami, je suggérerais qu'on oublie un peu ça. Ce mec est différent. Quand il dit qu'il a besoin du temps, nous devons le lui accorder. Écoutez, nous ne pouvons pas nous suicider pour des choses qui ne valent. Il est un homme comme nous et je suis sûr qu'il peut gérer des situations. C'est peut-être mon point de vue. Hein? Charles, je suis sûr que tu n'as jamais rencontré durant toute ta vie un problème lié à un suicide comme celui-là, non? Ce sont ces genres de situations qui naissent de problèmes qui n'ont rien à voir avec ça. La dépression est une chose réelle, frère. Notre ami pourrait être en train de traverser une situation très difficile et il est en train de se rejouer. Je pense que nous devons savoir ce qui se passe avec lui. Je vais dire, J'y pense vraiment. Il a raison. Nous devons aller voir Prey et écouter ce qu'il va nous dire. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai appelé à plusieurs reprises, mais il n'arrive toujours pas à décrocher. Si la foi donnait une idée que nous devons laisser ce genre de choses, j'ai essayé d'espérer qu'il réponde à nos appels. Mais comme c'est le cas maintenant, il ne répond même pas à nos messages. Ah, tu vois, c'est de ça que je parle. Bien, si vous insistez. Dans ce cas, allons le voir. Qu'on finisse et puis qu'on aille. Et s'il n'arrive pas à nous parler, à qui parlera-t-il? Oui, finissons rapidement et puis allons-y. Oui. Oui, je le ferai. Je suis déjà prêt. Oui. Oui, j'ai déjà acheté mon billet. Oui. Ok, d'accord. Prends soin de toi. Oh, mais vous voyez, hein? Vous voyez, c'est bien lui, n'est-ce pas? Mon cher, c'est quoi cette vie que mais tu mènes comme ça? Donc tu es toujours dans ces pays? Ah non, ma chère amie, tu n'es jamais comme ça. Tu ne prends pas les appels, au message tu ne réponds pas. Mon cher, pitié pour toi, ça ne va pas comme ça. Prey, nous avons essayé de te joindre à plusieurs reprises. Nous t'avons appelé, tu n'as pas voulu décrocher les appels. Nous t'avons même écrit, et tu n'as pas voulu même les lire. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde. Nous, tes amis, nous étions pas inquiets. Nous étions de nous soucier de toi de plus en plus. Est-ce que tu es entré en dépression? Laisse-nous t'aider. Mon frère, je pense qu'il serait mieux que tu meurs, d'accord? Il faut prier, comme ça tu vas te suicider une fois pour toutes. Tu es un idiot. Non, tu es un idiot. Tu n'as pas de bonnes choses à dire. L'unique chose que tu penses, c'est concernant la mort, n'est-ce pas? Mais tu ne décroches pas aux appels des gens, tu ne fais absolument rien, mec. Imaginez-vous ce qu'il pensait. La mort? Non, pourquoi tu penses à la mort? Ça, c'est mon cher. Notre mec est de retour. Ah non, mon cher, tape ici. Notre mec est de retour. Quitte-la. T'en fais pas, tu vas pas mourir. Je ne mange rien. Ok, Prey. Dis-nous, quel problème as-tu? Tu es là avec tes potes. Parle-nous, nous pouvons t'aider. Mec, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. C'est ce que tout le monde dit. Il y a une solution pour tout problème, mec. Alors, dis-nous de quoi il s'agit. Il se pourrait qu'on ait une solution. Apaise-toi. Les gars, Adora est une épileptique. Merde, ce n'est pas vrai. Et puis quoi? Je jure Dieu, Adora est une épileptique. Ce qui me fait mal, elle m'a d'ailleurs menti. Elle m'a menti, elle. Ah. Elle ne m'a pas même dit. Vous comprenez un peu? C'est une raison de plus pour que tu jettes cette fille. Oui, jette-la. Je suis d'accord. Et c'est juste d'imaginer ce que je pense maintenant dans ma tête. Imaginez que vous deux devant debout à l'église et que le prêtre dit, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Et puis elle commence à faire. Je vois que tu es fou. Non. Non. Écoute, ce n'est pas du tout amusant au... Alors, puis, si seulement tu t'hasardais et de l'embrasser, hein, alors que vous êtes bouche à bouche et que l'épilepsie la saisit, elle va mordre tes lèvres. Elle va faire... C'est comme toute autre maladie. L'épilepsie, c'est comme toute autre maladie. C'est une question d'amour que vous, les mecs, vous devez savoir. Mike, pourquoi n'es-tu pas allé épouser cette épileptique? Non, laisse-le. Toi alors, va épouser cette fille comme ça. Non, mec, arrête de le soutenir dans ses bêtises. Écoutez les gars, la chose ennuyante est que... Dans mon cœur, je sens que je suis arrivé à bout. Mon cher, je partage ta douleur. Selon moi, je suis marié. Maintenant, ma vie est arrangée et toute chose marche normalement. Je comprends très bien. Mais c'est quoi ce genre de punition?
Pourquoi me briser le cœur jusqu'à ce niveau? Mon frère, laisse-moi te poser une question. Laisse-moi te poser juste une question, Prey. Est-ce que tu aimes encore cette fille? Non. Ça, ce n'est plus un problème à parler. Je jure Dieu, ça, ce n'est plus un problème à parler. D'ailleurs, je quitte ces pays. Je voyage pour Londres. Londres? Pourquoi? Quand? Comment? Dès demain. Déjà 11h, je dois quitter. Mais tu es comment? Attends. Oh, donc tu veux nous quitter parce que la fille d'une autre personne est épileptique? Mon cher, laisse-le. Ce n'est même pas le Royaume-Uni. Non, mais tu deviens vraiment malade, toi. Tu es un aventurier. Tu n'es pas sérieux. Ici, s'il te plaît. Tranquille. Baba, quand ta tête marchera, nous sommes au bar. Tu sais quoi ça comment faire ça? Londres, tu sais où nous voyageons, malade. Donc tu veux te régner à cause d'une fille, malade. Ada, calme-toi. Ainsi va la vie. Tous les hommes ne sont toujours pas pareils. Mais toi aussi, ça fait plus beaucoup de temps pour lui dire la vérité. Exactement. Bébé, oublie ça. Et cet homme est une bonne personne. Et je suis sûre que si tu lui dis tout cela, il ne fera rien. Il t'aime beaucoup. Oui. Prey, j'ai vraiment pitié de ce que tu as raconté la fois dernière. Ce n'est pas en pleurant que tu vas résoudre tes problèmes. Tu dois aller et le voir. Tu dois juste aller le voir. Tu sais, regarde, elle ne l'a pas voulu toute seule, tu sais. Je veux dire que c'est comme un quelconque accident. Prey, ce n'est pas comme un suicide. Ce n'est pas comme un suicide. Évidemment, je vois que tu l'aimes. Mike, tu ne me comprends pas. Oh, mec. Je jure, tu ne me comprends pas. Elle a ruiné toutes choses. Elle a tout ruiné. Comment tu veux que je l'accepte encore? Détends-toi, mec. Comment est-ce que je vais l'accepter encore? Prayer. Écoute, je ne te demande pas de la faire confiance. Je suis en train de te dire de retourner avec elle maintenant. Tu dois aller et le voir. Tu dois le voir. Regarde, Pray. Si tu es prêt, voilà, dès que tu vas rompre avec elle. Tu vois, si tu penses vraiment que tu peux la quitter, va la rencontrer. Dis-lui maintenant que tu te sens à l'aise finalement. Si tu penses que tu peux la quitter. C'est du n'importe quoi ce que tu dis. Est-ce que tu sais que c'est du n'importe quoi? Crois-moi. Je vais ouvrir. Mon gars, je savais très bien, j'avais ces pressentiments que tu allais venir. Allez, vas-y, entre. Les filles.
Adora, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'avais encore 9 ans. À l'époque, Thierry et moi disions que les auberges étaient des jeux pour enfants. Qu'on devait partir là-bas pour se reposer, mon achat ne fait. Et un jour, parce qu'on avait parié, on a décidé de jouer. On a commencé à jouer. On a sauté, on a beaucoup joué ce jour-là sans savoir ce qui pouvait arriver après. C'était un moment vraiment fort. Et j'ai rassemblé les plans. C'est la dernière chose que je me rappelle. C'est à partir de ces jours-là que ma vie a changé. Tu sais que tu es belle, n'est-ce pas?
Et je veux que tu saches que je t'aime beaucoup, peu importe. C'est très bien, ma femme. Waouh, tu es très jolie. Ça, tu vas tellement. Waouh, je dis. Non. Ouh, c'est merveilleux. Ouh, waouh. Déba, quand il y a une photo, mais on va le bas. Après, oh, oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh là là, joyeux anniversaire. Longue vie, bébé. Oh, je suis très contente. Ouais, félicitations. Oh, merci. Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh, vous êtes tous venus. Merci. Je suis contente pour toi. Wow. Oh, je suis très contente. Oh, longue vie. Longue vie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Vraiment. Oh, joyeux anniversaire. Et, mon Dieu, Adora, Adora, baby, baby, baby. Baby, je suis avec toi. Ça va aller. Ça va. Ça va aller. Maman, où est Prey? Il est parti. Il est parti. Et mon anniversaire? C'est mon anniversaire, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il... Il est parti. Adora. Épouse-moi, s'il te plaît. Dis oui, dis oui, dis oui. Vas-y chérie, dis oui. Vas-y. Accepte. Dis oui, non. Prends l'anneau. Oh, vas-y. Dis oui. Oh, oui. Oh, oh, félicitations. C'est remonté. C'était ton nom. Oh, félicitations. Je t'aime beaucoup, Adora. Waouh. Waouh. Wow.
Merci beaucoup, Megar. Oh, merci. Très contente merci pour beaucoup. Vous, en tout cas. Nos sincères félicitations. Wow. Félicitations, ma fille. Wow. Félicitations, bébé. Oh. Celle-ci, c'est ma fille. C'est ma fille. Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bienvenue, Monsieur Jefferson. Prenez place, s'il vous plaît. Sans votre respect, messieurs, je voudrais avoir une conversation privée avec vous et votre fille, s'il vous plaît. C'est bien. Ils sont tous de ma famille, alors... Vous pouvez me dire ce que vous avez à me dire. Ce n'est pas un problème. Oh, ok. Celui-ci, c'est Prouy, le fiancé de ma fille. Oui. Très bien. Alors, je vous ai invité ici pour vous faire part de toutes les recherches que nous avons faites sur la santé de votre fille. Son cas me paraît un peu plus différent de tous les autres cas que j'ai traités avant elle et depuis toute ma carrière médicale. Vous savez, à moins que cela ne lui arrive souvent, en plus elle grandit. De ce fait, je suggère que nous fassions une IMR. Alors, vraiment, les médicaments ne semblent pas lui donner un bon résultat. Je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que le médicament n'est pas aussi efficace que cela devrait être. Je ne sais pas si elle le prend régulièrement. Mais c'est sûr. C'est vrai? Oui, elle le prend tous les jours. L'IRM indique qu'elle peut commencer la procédure. Alors, je vais suggérer que nous fassions une chirurgie cérébrale. Croyez-vous que cela va marcher? C'est 50-50, madame, pour être vraiment optimiste. D'accord. Je te dis vrai, je t'ai choqué. C'est comme, je ne comprends pas. Tu en as bu beaucoup, assez, ok. Ok. Peu importe. Alors, oui. Maintenant que mon résultat des MIR montre que je peux continuer la procédure, je réfléchis. Peut-être qu'on peut faire des choses qui peuvent me rendre heureuse avant que j'aille me faire opérer. Comment tu trouves? Bébé, tu ne peux pas aller te faire opérer et revenir en vie. Je sais. Je suis sérieux, je suis sérieux. Je ne blague pas. Je sais. Moi, je crois en Dieu alors. Je vais aller juste passer l'opération et ça va très bien se passer. Tu sais qu'il y a aussi des bonnes personnes qui meurent. Ils partent comme ça pour passer l'opération et ils meurent. Peux-tu arrêter? Arrête, s'il te plaît. Oui, désolé. Adora, arrête. Non, je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Je suis en train juste de dire que c'est possible que quelque chose arrive, genre... Je meurs, chérie, on meurt, tu vois mes retournées. Je sais. Est-ce que tu me comprends? D'accord? Je t'aime beaucoup. Il n'y a rien qui va t'arriver. Non. Mais c'est quoi les problèmes? Je sais. C'est quoi? Tu es ivre, bébé. Oh, excuse-moi. Bébé, oui, tu l'es. Mon frère, je ne suis pas ivre. Si j'étais ivre, tu l'aurais reçu. Moi, je ne suis pas ivre. Qu'est-ce que tu dis, bébé? J'ai dit mon frère. Oh.
Tu es ma petite amie. C'est pas vrai. Je t'appelle mon frère. Voilà, chérie. Tu es ivre. Non, je ne suis pas ivre. Oui, si tu l'es, bébé. Tu comment est-ce que tu le sauras? Je sais très bien que tu l'as reçu. Parce que quand tu vois une femme ivre, tu le sauras. Ok, d'accord. Préparons-nous pour aller à la maison. Ok, oui. D'accord. Oui. Ok, nous allons-y. Devons aller à la maison. Oui, je suis très fatiguée. Lentement, lentement. Je sais, on doit y aller. Oui. Arrête, bébé. Je t'aime beaucoup, bébé. Je t'aime aussi. Tu es très belle. Je t'aime énormément. S'il te plaît. S'il te plaît. Bébé, bébé, bébé. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, bébé. Calme-toi, ne me fais pas ça. Calme-toi. Bébé, bébé, calme-toi. Hein? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, bébé. Calme-toi. Non, pas ça. Pas ça. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Chérie, 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 s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Pardon. Pardon, ne me fais pas ça. Chérie, chérie, bébé, bébé, bébé. Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Il n'y a rien. C'est fini. C'est fini. Merci. 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 Merci d'avoir fait ça pour moi. Adora, tu dois être pleinement contente et en bonne santé. C'est ça ce que je peux t'offrir. Je sais, ça signifie le monde. Ouais. Ça signifie le monde. Adora, tu es mon monde. Tu es le monde. Pour moi. Mais je ne comprends pas. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi tu veux m'épouser? Je suis contente, mais je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, ne t'inquiète pas pour moi. Parce que le fait juste de penser que je vais vivre avec toi durant toute ma vie, c'est juste incroyable. Mais Prey, je veux que tu saches. Et que si, pour n'importe quelle raison, si tu voudras bien changer d'avis, je vais comprendre tout de quelque part. Est-ce que tu peux te calmer? S'il te plaît, est-ce que tu peux? S'il te plaît, est-ce que tu peux te calmer? Ok, tu sais quoi? Quoi? Marionneau. C'est vraiment sérieux ta proposition? J'ai dit marionneau maintenant. Oui, maintenant là. Tu es sérieux? C'est ce que je vais, oui. Je vais t'avoir à mes côtés à chaque instant. Je vais avoir mes enfants avec toi. Je vais vivre dans un monde où il n'y a que toi et moi. Voilà ce que je veux. I never end this story. That's what I want, baby. I never end this story. That's what I want. That's what I want. Yeah. Oui, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour la conception et la décoration. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Charlie, comment ça évolue? Oui, j'ai déjà envoyé l'argent au service traiteur et le problème de nourriture est déjà résolu. Et comment pour la boisson?
Je le ferai au plus tard demain matin. Oh mon cher, nous n'avons pas le temps. Vous et moi savons que tout doit être prêt avant le nuit. Mon cher, tu peux me faire confiance pour ça. Je le ferai certainement demain à la première heure. Vous savez les mecs, en ce qui concerne la musique, j'ai déjà payé les DJ et il a promis de venir avec tous les équipements. Alors je pense que vous ne devriez plus vous inquiéter à propos de ça. Ah, c'est bon mon cher. Vraiment merci, merci énormément. Et par rapport à la sécurité, nous n'avons pas pensé à ça? Ah ah. Dans une cérémonie de mariage. Est-ce qu'on va venir voler la Non, pas ça, pas ça. Je veux dire des hommes en uniforme pour que nous ayons un environnement calme et bien. C'est à ça que je pense. Très bien, je connais quelques hommes aussi matures qui pourraient assurer cette sécurité. Et si ça ne dérange pas, alors je peux très facilement passer la paix. Non, ce n'est pas un problème. Je suis d'accord avec tout ce qui fait marcher. Oui, je suis d'accord. Mes amis, j'ai oublié de vous dire que... J'ai invité mes anciens camarades de l'école. Waouh, comme ça, ça sera très très bien, mon cher. Non, mais je vous jure, vous êtes des comédiens. Non, non, le hashtag c'est prêt. Je crois que c'est ça. Nous allons amuser avec nos amis, ce serait une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le shopping du mariage. Mais je ne te comprends pas, ça ce n'est même pas important pour ce que nous voulons faire. Ne la suis pas, toujours des raisons. Merci, c'est le mariage d'Adora, c'est bon? Alors qu'est-ce que vous voulez dire réellement par là? Kewe, ta bouche ne sait que dire des choses qui n'ont même pas de sens, je ne te comprends pas. Hein? Toi vraiment, ne la suis pas ma chérie, s'il te plaît, faisons nos achats dans le calme. Tu as raison, mais si notre budget était terminé, accepteriez-vous qu'on vienne aménager avec vous? Tu sais, Vous voyez? Ma chérie, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, on doit le faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Je sais, oh mon Dieu, mais c'est ça. Et j'ai besoin d'un ami pour m'aider à faire cette liste. Et je suis en train de penser. Vous pourriez venir à l'hôtel à partir de mercredi. On ira à l'église à partir de là. Comment vous trouvez? Tu veux dire qu'on le fera de mercredi à samedi? Oui. Pas question. D'où proviendra toute cette somme d'argent? Le fait, je sais, mais c'est toi qui venais de dire que c'était une chose pour la vie, non? Je crois que des hommes seront là, parce que s'il n'y a pas des hommes, rien ne sera présent. Ah, oui, oui. Toi, tu ne connais que les hommes. On va vouloir se regarder et ça serait plus amusant si tout le monde est là. Je demanderai aussi après d'amener aussi ces gens ou ses amis. Ah, oui. Là, toi aussi. Alors, non, je ne ferai plus jamais les shopping avec cette fille. Elle prend tout ce qu'elle voit. Vraiment. Je n'ai jamais pensé que ces jours pourraient bien arriver. Allez, chérie. Tu penses qu'elle n'allait pas trouver un homme? Je vais dire, Je comprends. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? C'est seulement sa condition. Adora est une très belle femme. Elle a tous les atouts possibles. Qu'un homme peut désirer chez une femme? C'est juste à cause de sa condition, mais elle va aller mieux. Je crois que l'opération va bien se passer. Et notre fille va redevenir comme avant. Ok? Alors si je n'étais pas là pour l'argent. Si je n'avais pas cet stupide de travail que je suis en train de faire. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec ma fille maintenant. Oh, mon Dieu. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est déjà le matin. S'il vous plaît, réveillez-vous. On a tant de choses à faire, s'il vous plaît. Allez, debout. Que ouais. Allez, levez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, chérie. C'est mardi aujourd'hui, oh. Toutefois, on a encore du temps.
Appelle le photographe, moi je vais au pressing prendre la robe de mariage. Dépêche-toi s'il te plaît. C'est logique, alors nous devons le faire maintenant. Mm-hmm. Désolée. Oh, voilà. Ça, ça va? Allô? Salut bébé. Oh non, on vient de te réveiller. Qu'est-ce que tu veux dire par le temps est passé? Oh mon Dieu, mais tu as raison. Allez, debout, nous sommes en retard. Oui, oui, on arrive tout de suite. On arrive, allez, bye. Allez, les filles, il est temps pour nous d'aller. On nous attend déjà. Allons-y. Oh, je suis désolée de vous réveiller. Désolée. Je vous jure, j'adore ce vin et ce jour-là. C'est ce que je veux boire. Je veux vraiment boire. Mais oui. Ça sera chaud, 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 chaud. Yeah! Isso é tão natinha, tigetinha. Eu não vou filmar em boca. Jou est encore très jeune. Non, j'en peux plus. Non, mes gars, je vais vous rejoindre dans mon rêve. Je suis sérieux. On descend encore au bar. Je suis avec ma femme. On arrange les choses, ok? S'amuser encore c'est plus. D'accord, le mec. Je c'est suis bon. Que tu veux pas nous suivre. Bah, c'est d'accord, mes gars. Consommez. Bye. D'accord, sans problème. Je me sens tellement fatiguée. Ah, j'arrive. Salut, bébé. Bébé, est-ce que tu peux dormir avec moi aujourd'hui? Bébé, après demain, nous serons mari et femme et nous allons passer beaucoup de nuits ensemble. C'est la même chose. Non, encore juste une journée. Non. Ray, juste une journée. Non, bébé, je le veux maintenant. Non, on peut attendre, ce n'est plus pour longtemps. On peut attendre. Ça va aller. Ok, je vais patienter. Oh. C'est juste demain, tu auras tout ce que tu veux. Oh, cette fille. Oh. Oh. Moi-même, je veux voir comment ça évolue. Thierry, allez, réveillez-vous. Thierry, allez les filles, arrangez-vous, non? Thierry, où est Kéwe?
tu ne sais pas. Peut-être qu'elle est partie là où il y a les hommes. Non, non, elle ne peut pas faire ça. Pas après ce qui s'est passé entre elle et lui. Je ne sais pas. Cette fille a besoin de la délivrance. Oh, que oui, que oui. Chérie, chérie, accompagne-moi. On va aller voir. Peut-être qu'elle fait quelque chose de stupide. Oh. S'il te plaît, non, je ne vais pas aller seule, s'il te plaît. Hein? Josie, ne peux-tu pas me laisser tranquille? Hein? Oh, j'ai sommeil. Ma chérie, es-tu sérieuse? Allez, viens. Chérie, merci. Allons-y. Oh, bébé. Finalement, tu es venu me donner ce dont j'attendais depuis trop longtemps. Oh, bébé, c'est très cool. C'est très gentil. C'est sucré. C'est super. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, ça va aller, s'il te plaît, du cœur, doucement. Pray. Bébé, je suis désolé. Pray. Bébé, je suis désolé. Je jure, je pensais que c'était toi. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé, mais... je suis désolé. S'il te plaît. Bébé, je ne t'ai jamais trompé, je jure. Je jure, je ne t'ai jamais trompé, mais... Pardonne-moi, s'il te plaît. Adora, s'il te plaît. Pray, je t'avais cru. Je t'avais cru. S'il te plaît, pardonne-moi, Adora. S'il te plaît, comprends-le. Je suis désolé, Adora. Mais je suis désolé. Pardonne-moi, chérie. Ah, 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 cher ami, hein? Mais pourquoi est-ce que tu continues de dormir? Hein? Mmh. Hey, mais pourquoi est-ce que tu dors encore? Hein? Ah, ah. Oh. c'est grave. Mon cher, tu rates beaucoup de bonnes choses en bas. Tu non, mais je te jure. Mais pourquoi est-ce que tu dors jusqu'à présent? Mon cher. Il y a dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, tu vas bien? Où est Adora? 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 Pourquoi est-ce que tu me demandes Adora? Tu devais être avec Adora. Mais vous étiez ensemble, non?
les gars, hein? J'ai besoin de votre aide. Tu veux qu'on t'aide? T'aider? T'aider en quoi? Mais comment est-ce qu'on peut t'aider? Bray? Cherui. Cherui. Où est Dora? Je sais qu'elle était avec toi. Oui, elle n'est pas ici. Oh. Non, non, non. Mais... Allô, attends. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Mon cher, vas-y, parle-nous, non? Parle-nous. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mais mon cher, vas-y, parle-nous. Mon cher? Mon cher, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous devons trouver Adora. Est-ce qu'Adora a disparu? Je ne sais pas, mais... Oh Dieu, je ne sais même pas là où elle est maintenant. Non, mais qu'est-ce que essaie tu essaies de nous te calmer un tout petit peu. Nous devons chercher partout dans l'hôtel pour trouver Adora. Je vais vous expliquer après, s'il vous plaît. Calme-toi. Essaie de te calmer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh Dieu! Mais où est-ce que tu vas? Allons-y. On t'a de suivre. Viens. Oh mon Dieu, elle a pris la voiture. Oh, mais elle ne saura pas du tout rouler elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh mon Dieu, elle ne répond même pas. Où peut-elle bien être maintenant? Oh mon Dieu, quel mal ne lui arrive pas, Seigneur. Mais est-ce que son numéro vient de sonner alors? Oui, c'est ça. Je crois que nous devons localiser son téléphone. Okay, donnez-moi son numéro. Hé! Hey. Une minute, s'il vous plaît. Ça passe? Quoi? Une barrage? Alors qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Les amis, le problème ce n'est pas qu'elle soit sur les barrages. Le problème c'est ce qu'elle peut faire là-bas. Allons-y alors. Oui, allons-y. Ici. Vite le mec, vite. Mais ça indique qu'elle est ici. Ça indique qu'elle est quelque part ici. Je vous assure, les gars.
tu as assez pleuré. Ça fait exactement 3 ans aujourd'hui. Elle me manque. Écoute, Adora a laissé un vide qui ne peut pas être remplacé. Sa mort m'a encore rendu la vie dure. C'est fini. Nous devons partir, ok? Allons-y. Retournons à la maison. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.